Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Je ne sais pas si on va manger, mais on va boire, manifestement. Oui, la nouvelle Badoit. Ah. C'est une Badoit parfaitement pure, naturelle, l'eau de Saint-Galmier comme d'habitude. Simplement, elle est délicieusement aromatisée. Il n'y a pas un pet de sucre dedans. Et ils ont mis un goût, mais un goût très pur de soie, citron. Non, pas là, c'est très bon, c'est très frais. Ouais. C'est bon, hein. C'est bien pour l'été. Je peux en avoir, s'il vous plaît? C'est bulle de Badoit au citron vert ou à la menthe. Ah, il y a la menthe aussi. C'est de la vraie menthe. La menthe, comme on la goûte quand elle est toute fraîche dans le jardin l'été. C'est de la menthe poivrée un peu, qui est vachement bonne. J'ai craché dedans déjà. Justement. Elle est bonne, elle est bonne. Hein. Elle vous plaît? C'est 100% plaisir, 100% naturel. 100% plaisir. Ouais, joli. 100% vendu, oui. 100% plaisir, 100 euros tout rond. Et on peut pas le trouver dans le commerce, hein, c'est toujours comme ça avec toi. Si. Ça sort quand? Attends, ils ont sa référence. 1 euro la bouteille. Hein. 1 euro la bouteille. 1 euro la bouteille. Ouais. Et pour 3 bouteilles, pour 3 euros, vous emportez de quoi faire boire toute votre famille pendant tout l'été. Oh, les belles vacances en Bretagne. Ça désaltère l'eau de plus que la Badoit naturelle. C'est pas mal. C'est, c'est un naufrage. Hein. Et Badadi et Badadoit, la meilleure route, c'est la Badoit. C'était le slogan d'avant. Ouais. Alors, Vitelloise, ouais, qui chante et qui danse, avait déjà testé ça il y a quelques années. Ça n'avait pas marché. C'est peut-être le bon moment pour le faire. Goûter, c'est pas mauvais. Ça existe, goût merguez ou pas? Pour les vacances. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pour vous faire patienter avant l'arrivée des pizzas. C'est connu, ça, des petits bouts de chèvre. Ils n'arrêtent pas d'innover. Ah bon? C'est connu, ça. C'est les apéris frais, l'apéricule. C'est bon. C'est connu depuis hyper longtemps. Oui. Mais il y a de nouveaux goûts. Ils avaient fait. Je savais pas que c'était si bon, ça. Ah. Apéris vrais aux olives. C'est quoi les goûts, Jérôme? Ils avaient fait spécial grec, spécial Espagne, spécial Italie. Poivron, thym, oignon, origan. Et là, c'est aux olives. C'est essentiellement sur une gamme. On se rapproche de la pizza. Hein. On se rapproche. Elle va arriver, la pizza. D'ailleurs, on a le champion du monde de la pizza au téléphone. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bruno Bertrand, c'est votre nom? C'est ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être champion du monde de pizza? Un couscous. Il fallait travailler. Pas un couscous, non. Il y avait quoi comme ingrédient dans votre pizza? Ça nous intéresse. Alors, j'ai créé une pâte, en fait, à partir d'un mélange de 4 céréales et 5 graines, ouais, en bio. Ouais. Ensuite, j'ai mis une crème de cèpe au jus de volaille, avec un petit peu de mozzarella dessus. Après, on a fait poêler et flamber un poivre à l'armagnac. On l'a fumé aux aiguilles de pain, tout ça dessus. Et puis, un petit peu de paillettes d'or pour faire un petit peu le bling-bling. Et puis, voilà. D'accord. Et ça arrive dans combien de temps, ça? Pizza, il y a que le nom, quoi. Ouais, vous avez fait une quiche, quoi, en fait. Vous allez nous en livrer une? Non, deux. Il y en a deux qui arrivent. Il y en a deux qui vont arriver avant 18h. Oui, oui. Ouais. Bravo, Bruno Bertrand. Mais vous êtes même pas italien, alors? Ben non, je suis breton, figurez-vous. Elle est meilleure. Et votre resto s'appelle Pizza Perro à la Chapelle-sur-Erbre. Et le salon de la pizza, c'est aujourd'hui et demain, mais c'est que pour les professionnels, non? Oui, c'est les professionnels. Et puis, on a également, pendant le salon, la finale du Giro Pizza, donc le championnat d'Europe des pizzaiolos qui a lieu donc aujourd'hui et demain. Vous ne pouvez rien faire pour un ami, là, parce qu'on connaît qu'il y a quelqu'un dans l'équipe là, qui voudrait vraiment, c'est même le patron, quoi, hein, il rêverait de venir à ce salon, mais personne ne l'a invité. Ah, écoutez, je lui envoie une invitation tout de suite. Ah, par contre, il faut qu'il vienne faire une pizza sur mon stand. Oh, bah avec plaisir. Oh. Hein, il va vous faire une calzone. Sur le stand Galvani, il nous fera une pizza, je vous envoie une invitation. La pizza fourrée. Ouais, la calzone. La forêt, sans les olives. Une calzone, ouais. Une joujou, il avait ça. Bravo pour votre métier, Bruno Bertrand. Bravo. Hein. Merci, monsieur Ruquier, merci pour vous aussi. Vous vous rendez compte que les mecs, ils font de la radio et de la télé, normalement, pour être invités au Festival de Cannes, Laurent, c'est pour aller au salon de la pizza. Il veut monter les marches avec une pizza. Hein. Mais nous serons aussi à Cannes, je vous le signale. Europe 1, et on va se gêner en Cannes pour les 3 premiers jours du festival. Oh, les 3 premiers jours, c'est pas bien, on monte pas les marches. C'est à la fin du marché content, qu'on va le prix du beurre. On sera pas récompensé. C'est à la fin du festival. Parce que vous voulez monter les marches, vous? Ben, je l'ai déjà monté. Bah ouais. Avec vous? Ouais. Tu te souviens? Ouais. T'avais ta robe en cretonne. Mais il s'est arrêté combien de fois, Pierre? On applaudit champion du monde de la pizza. Bravo. Quoi d'autre, Jérôme? C'est pas nouveau, ça vient pas de sortir, enfin ça vient de ressortir, ça se faisait beaucoup avant. Mais faites que des trucs que j'aime aujourd'hui, parce que moi je suis fou de la moutarde. C'est la mayonnaise. La moutarde en tube. J'adore la moutarde. Comme c'était monté très haut de gamme, on avait maintenant des moutardes, tu sais, avec des fruits, machin compliqué. Maï faisait une collection comme ça complète, c'était en pot de verre. Parce qu'après on pouvait s'en servir pour boire, mais là boire dans un tube, c'est plus dur. Oui, mais quand tu t'en sers pas tous les jours, le fait que ce soit fermé comme ça, ça ne s'oxyde pas et ça garde plus longtemps ta Bretagne. Ta moutarde. Bretagne. Ta moutarde. Toute la Bretagne dans un tube. C'est
La moutarde en tube, c'est le sieur qui réinvente, mais comme Badoit réinvente l'eau. Mais il met sa langue dans le tube. Elle est bonne. Il a que ça. Eh, c'est de la monsieur. Elle est bonne. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Le fait, le très très bonne même. C'est pas nouveau, c'est très très vieux. Je non, viens je de le dire. Parle de Laurent. Mais... Ah, pardon. Mais regardez comme il met sa langue dans le tube, c'est très très bizarre. Et comment il tient le tube, surtout, c'est angoissant. C'est très très étrange. C'est très bon, très bonne cette moutarde. Bravo. Ouais. Et la voici la mi-forte. Il y a de la forte et de la mi-forte. Ouais. Bah pour ceux qui n'aiment pas quand c'est trop, quand c'est trop fort. Quoi d'autre? Pour les pour s'épiler. Pour s'épiler. Hein. De la moutarde. La moutarde. Non, un épilateur Calore, le dernier qui vient de sortir. Ouais. Ils sont toujours pas très bons. Un épilateur Calore. Ouais, un épilateur. Avec, je vous raconte comment est-ce qu'on fait pour épiler. Pour les jeunes hommes, les jeunes garçons qui nous écoutent, la première méthode, c'est de prendre un rasoir. C'est idiot, on coupe le poil et après le poil repousse. Épiler, ça, l'idéal, c'est de tirer le poil. Or, ces machines-là, c'est un vieux système. Hein. C'est les petites lames qui tournent comme ça. Quand elles sont en haut, elles sont ouvertes. Ouvrez vos mains comme ça. Et dès qu'elles arrivent comme ça, pof, elles se rejoignent, elle coince le poil et paf, elle le tire. Oh là, wow. C'est super, super. Mais pourquoi efficace. C'est des garçons et pas pour les filles? Ça fait aussi. Parce que pour les filles, c'est différent. Non, elle s'ouvre et ouh, elle se barre. Non, non, c'est pour les garçons et pour les filles. Ah bon. Il y a un petit truc en plus, c'est que Calore est à la pointe de la modernité, c'est j'enlève la tête qui coupe et je mets, une fois que je suis rasé, ça fait un peu mal, ça fait un peu bobo, j'ai la peau irritée, j'ai le petit truc de massage, c'est des petites grosses boules comme ceci qui tournent sur elles-mêmes et qui font ah, ça me fait du bien à faire ça. Mais l'épilation, c'est au salon de la porte-maillot, non? C'est c'est vendu avec différents rasoirs et enfin différents sabots. Avec différents sabots. Il y en a un qui s'appelle Bikini d'ailleurs. Ça coûte quand même 140 euros votre kit de. 140 oui, euros. Il y en a un qui s'appelle Bikini, c'est pour les hommes. Pour se faire le maillot. Mais non, c'est pour les jeunes filles, c'est pour faire le maillot. Et pour que ce soit bien précis. On peut se raser sous la douche avec ça, ça marche sous l'eau. Wow. Une machine à gaufres maintenant. À gaufrer le papier. Sans transition, non? Pardon? À gaufrer le papier. Oh bah merde. Ah donc on mange pas. Mais quel intérêt? Mais non, mais c'est Fiscard qui arrête pas d'inventer des trucs. Mais quel intérêt de gaufrer le papier? Eh bah, ben regarde. Bah, j'ai gaufré pour ça toi. Ça fait joli, ça fait du moins, de la décoration. Santiano. Ma fille. Hugo Valentine. Je gaufrais, mais je gaufre plus juste. Regardez comme c'est beau. Faites passer. Vous prenez n'importe quel papier, possible un peu dur, un peu même pourquoi pas un papier glacé, et ça vous fait un gaufrage. C'est très très joli. Regarde. Ça vaut pas le coup de s'en passer 26 euros. Ben, ils ont sorti. Ah, non. Tu fais un faire-part de. Quelqu'un qui veut faire des invitations, ou même les filles, quand elles veulent faire leur carnet. Merci. Heureusement, Titeuf, que tu reconnais. Ça se mange pas. Tu peux te faire des cartes de visite, c'est sympa. En attendant, les pizzas arrivent pas. Non. J'ai un objet formidable pour tous les parents et pour tous les enfants. Ah. Imaginez, vous avez un enfant qui ne sait pas lire, mais il a des bouquins. Donc, vous, ce soir, le soir, vous lui lisez. Ta fille, qui a entre 9 ans et 13 ans. Non, elle sait lire maintenant. Franck Ribéry. C'est un livre comme ça, vous êtes là. Vous dites que vous avez un enfant. On sait bien qu'ils ne savent pas lire. Vous êtes obligé de lui lire les métiers de quand tu seras grand, tu seras princesse. Quand on est grande, on est princesse, on vit dans un château, etc., etc. Il y a des jours où vous n'êtes pas là. Il y a des jours où elle peut pas le lire et vous n'êtes pas là. Heureusement, le stylo est à elle. Elle n'est pas là. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là pour lui lire. Alors elle est triste. Votre enfant est triste. Elle met le feu à la baraque. Oui, tu crois qu'elle va prendre ton stylo? Un stylo. Ça a l'air pas mal, cette affaire. Dans lequel on met deux piles. Ouais. Avec des petits autocollants. Des autocollants que je mets n'importe où, sur le livre, sur le bouquin, où je veux. Et je préenregistre ma voix. Ensuite, le gamin, qui n'est pas bébête, il appuie sur le bouton marche-arrêt et il met le stylo sur le petit autocollant. Et là, votre voix préenregistrée, il l'entend comme si vous étiez là. Écoutez, je prends le stylo, je le mets sur l'autocollant. Cher petit Laurent, je vais te lire un livre puisque tu ne sais pas lire. Les métiers que tu seras, quand tu seras grand. Ah, bah non, il sait pas lire. Il bafouille, ce con. Tu as bien eu un peu. Maintenant, tu peux prendre le stylo et le mettre sur le petit autocollant. Ah, j'ai eu peur. Et ça fait. Ça prend la température aussi. Ouais. Quand tu vois le stylo, à mon avis. Il y a aussi les autocollants donc libres et sur lesquels j'ai enregistré. Un stylo qui lit à vos enfants, page par page, le livre que vous avez préenregistré. Exactement. N'importe quel livre donc. C'est votre voix, n'importe quel. Si... Vous pouvez le mettre sur autre chose. Si je le mets sur Playboy, il fait. Oui, ouais. Exactement. Tiens, t'as des sons préenregistrés également. Là, par exemple, c'est le petit Laurent, enfin, alias Cutpoule, il a bien travaillé. Là, on lui met. La levrette. Bravo. Tu vois, il est content, le petit Laurent. Anybook Reader, ça s'appelle. Ouais, c'est vachement bien. Quand même 50 à 70 euros le stylo. Hein. Non, mais ça dure une éternité. Pour millionnaire, ça. C'est un magnéto, quoi, en fait. C'est un magnéto qui lit des petits glyphes pour être un peu sérieux. Enfin, 50 euros pour divorcer de ta femme sans culpabiliser, c'est pas mal, quand même. Voilà. Ouais.
Et surtout, tu peux raconter toutes les histoires. Ce que donne à ma femme pour la bouffe, pour le mois, moi. Tu peux inventer des choses qui vont avec. Par exemple, tu mets des autocollants pour faire une sorte de jeu de piste. Tu vas te coucher. Puisque la pizza n'est pas arrivée, il est temps de passer à l'invité d'honneur. À vous de l'identifier. Pardon de vous interrompre, Jérôme, mais on ne va pas le faire patienter plus longtemps. Notre invité, il est dans la loge. Installé. C'est parti. On se retrouve dans quelques minutes. À vos questions.